à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors aujourd'hui, on va voir un peu plus en détail au niveau des écrans, comment ça se passe pour la mise à jour qu'on a eue en début de semaine. Le navigation automatisée et le serrage, le mode serrage, donc il y a un nouveau mode de conduite sur la voiture. Alors on va voir ça en image tout de suite, donc ne quittez pas et c'est parti. Alors c'est au niveau des paramétrages de la voiture, on va aller dans le menu conduite, où en fait dans le menu conduite on va trouver les trois modes, donc le mode d'arrêt ils appellent ça, donc le rampage, le roulement ou le serrage. Donc le rampage, on est bien d'accord, on est sur le fait que si on lâche la pédale de frein, la voiture commence à rouler toute seule. Le roulement c'est on part en roue libre, et le serrage par contre on part en roue libre, on a la régénération au niveau de la batterie effectivement, évidemment quand on arrête d'accélérer, mais la voiture elle va aller jusqu'à l'arrêt complet. Il n'y aura plus de rampage en fait, quand la voiture va mourir elle va vraiment s'arrêter parce qu'en fait il y a les freins qui rentrent en jeu et donc on va pouvoir s'arrêter complètement et conduire finalement presque avec une seule pédale, hein, l'accélérateur, et oublier un peu la pédale de frein si pas besoin. On verra au niveau de la conduite, nous par contre on a remarqué qu'au niveau des freinages fantômes du coup c'est un peu plus musclé parce que le frein moteur est un peu plus renforcé. Ensuite on a du coup là je regardais un peu s'il y avait eu d'autres changements au niveau de l'autopilote, mais c'est pas au niveau de l'autopilote en fait, c'est au niveau du réglage de la navigation, donc du GPS, qu'on va trouver la nouvelle fonctionnalité sur tout ce qui est la navigation automatique. Donc la navigation automatique, en fait, ça reprend deux choses. La voiture, quand on va monter dedans, elle va suggérer en fait une destination en fonction de l'emplacement où vous êtes. Par exemple, vous êtes à votre travail, elle va du coup suggérer que vous vous retourniez chez vous. Donc elle va vous proposer en fait de mettre le domicile directement dans votre destination au niveau du véhicule. Et sinon, si vous avez connecté votre agenda en fait avec la voiture, donc c'est ce que je vais faire, là c'était pas le cas, on va dans l'application Tesla, on autorise l'application Tesla à accéder à nos rendez-vous dans le téléphone. Et du coup, la voiture connaît nos prochains rendez-vous et elle peut donc suggérer des destinations de GPS si vous avez renseigné les lieux de vos prochains rendez-vous. Là, par exemple, on a vu à l'écran, elle me proposait de retourner à notre domicile parce qu'on n'était pas chez nous, en fait. Et du coup, intuitivement, en fait, elle proposait de retourner à notre domicile. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe, mais c'est vraiment tout simple, en fait. Hein. Juste en montant dans la voiture, tout de suite, le GPS se met en route et vous voyez, hop, domicile. Vous pouvez faire annuler si c'est pas bon. Et puis sinon, bah, on laisse et puis c'est parti. Il n'y a plus qu'à se laisser guider. Moi, c'est carrément le genre de nouveauté qui me plaît beaucoup parce que voilà, c'est aucun effort de notre part et un gain de temps et puis pas besoin d'aller régler. Alors, on avait la possibilité quand même aussi, vous savez, de swiper, là, de passer son doigt vers le bas au niveau de l'écran pour lui dire d'aller à la maison, ou quand on était à la maison, si on le faisait, ça nous disait d'aller au domicile. Mais là, c'est encore plus bidon, je veux dire, c'est encore plus d'assistana. La voiture, directement, on monte dedans, voilà, elle dit, allez hop, je t'emmène. Ensuite, on verra dans une autre vidéo le réglage donc de tout ce qui est automatisation par rapport au chauffage et au niveau de la charge de batterie quand on veut que la voiture soit prête pour partir par exemple tous les jours à 7h de la semaine parce que vous allez bosser. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut.